Pendant que Marion boit son café, aujourd'hui on va parler de préparation du sol. On va commencer à débâcher, ça va être un petit peu la surprise de presque un an de bâchage là pour le coup, puisque ça a été posé en mars ou avril l'an dernier. Et donc là, on débâche. L'idée c'était d'avoir supprimé les rumex, les vivaces globalement, et de pouvoir venir travailler directement avec mademoiselle qui est à côté, mademoiselle Apichoun, vous la connaissez, je vais vous la présenter un petit peu mieux cette fois-ci. Et puis surtout, vous allez la voir de retour en œuvre. Et puis toi, tu vas la découvrir en passant. Oui. Salut, c'est Sébastien et Marion. On vous retrouve aujourd'hui à Plévin, comme d'habitude. Donc, pépinière Tilipous, à Plévin, dans le centre-Bretagne, à côté de Carhaix. Et sur cette chaîne, sur ces vidéos, vous trouvez tout ce que j'arrive à vous montrer sur comment je procède en pépinière de fruitier. La première partie un peu chiante, c'est de virer toutes les merdes qu'il y a dessus. Du coup, je la déroule vers là pour essayer de vider tout, tu vois. On a retourné une bâche, on est fort. Hein? On est fort, on a retourné une bâche. Bon, maintenant on va la replier de là à de là.
un peu. La bâche, à la base que j'ai achetée, c'est deux à deux qui sont accrochés en fait. Tu as déjà vu ça avec une des autres. Bon, t'es prête? Lass uns gehen. Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va mettre des cordeaux qui vont me servir à aligner la pitchoune. Ok? Et la pitchoune sur la zone que je travaille, en fait, c'est centré sur l'endroit que je veux planter. Donc ça veut dire que le cordeau n'est pas aligné sur ma bâche, il est décalé. Parce que la zone travaillée sera recouverte des bâches de la bâche des deux côtés. Pour avoir vraiment la partie ameublie centrée. Donc du coup, comme ça fait à peu près 20 cm de large en travail, ça veut dire que je vais faire en sorte d'avoir 10 cm de chaque côté de mon cordeau. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, mon cordeau il sera aligné sur le côté de la pitchoune. Donc en gros, j'ai 10 cm, enfin j'ai la moitié de la pitchoune là, donc c'est même 15 cm parce que ça fait 30 de large. On va mesurer, mais ça doit faire 10 cm, voilà. 10 cm du fil. La zone centrale des boutures, c'est 10 cm du fil. Voilà. Et par contre, la zone centrale, c'est la bâche. Donc on ne peut pas mettre le fil sur la bâche. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc la première bâche, elle commence à 1 mètre, enfin, elle finit pardon, à 1 mètre 20. Mais le fil, il est à 1 mètre 10. Du coup. Oui. Oui, parce que tu prends 10 cm. Ouais. On est d'accord. Donc 1 mètre 10. Et ensuite, ben, le suivant. Certes, la bâche elle est à 1,20 m, mais la suivante, du coup, elle est à 1,70 m. On va dire 75 pour mettre plutôt 55 à chaque fois. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Non, il faut rajouter juste la longueur de la bâche. Là, plus 5 cm, parce qu'il y a une petite espèce à chaque fois. Donc en gros, je rajoute 57 cm à chaque fois après, pour les fils. Parce que la bâche, elle fait 50. Ouais, elle fait 52 quoi. Parce que c'est 105 divisé en 2. Mais pas de manière. Enfin, je suis pas à 2 cm près. Du coup, j'ai pas besoin de calculer plus que ça. C'est juste. On a le premier et après on se décale d'autant à chaque fois. Par contre, c'est bien qu'on se les note histoire de pas se fâcher et les recalculer à chaque fois. Alors, on va les faire pareil de l'autre côté. C'est comme ça que tu avais fait la première fois aussi? Ouais, ouais, ouais. Et à chaque fois, je n'aide pas, alors du coup, je me fais chier à le calculer à chaque fois. Et attends, parce que ça allait trop loin, parce qu'il faut que j'ai assez de piquets pour l'autre côté. On va pas j'en ai deux. 1, 2, 3, 4. Pour 5, mettre encore un. 5 encore. Ouais. Et donc, combien? 2,75, 3,30. Non, juste le long de la ligne. Ah ouais, tu veux dire que du coup ça travaille pas. Ça travaille pas le passe-pied, mais je le fais l'année d'après pour les arbres. En fait, je décale après sur les arbres. Bah c'est parti, on prépare. Là on a mis combien? 6 cordeaux. Donc 6 cordeaux, normalement, Marion, c'est combien? Un quart d'heure par ligne? 1h30 normalement. Ben, 6 fois 3 quarts d'heure, enfin 6 fois 1 quart d'heure, 1h30. Donc on en a pour 1h30 normalement. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, plus 10 minutes de café. Voilà, bon, de toute façon là c'est midi presque, donc on va faire quelques lignes avant d'aller manger et on finira cet après-midi. C'est vrai, c'est impressionnant. Hein. Bon, bah du coup, on tire la croûte d'herbe morte et sèche là, qui sont juste en surface. Ouais, ça vient tout seul. Hein. Faut que je fasse ça. Bah surtout quand tu sais que juste avant c'était ce qui est à côté quoi.
Un beau ver de terre. Bon, bah, cette herbe sèche va servir évidemment au paillage. Surtout qu'ici, tout le long là, de mes poteaux, là, c'est pour ça que j'ai laissé une distance assez conséquente avec ma première ligne de culture, c'est qu'il va y avoir des pieds-mères d'arbres fruitiers, tout simplement. Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, machis. J'ai plein de pieds-mères, nouveaux pieds-mères à mettre. Alors, deux, trois combines quand même, c'est que tu vas passer la ficelle vraiment au-dessus du manche. Ouais, c'est de ce côté. Donc descends ton outil. Descends le complément, les manches. Pour vraiment réussir à bien se guider, tu vas faire en sorte d'avoir toujours la ficelle dans ce... Hop, là, tu vois, sans la contraindre. Ça, c'est un peu le piège au début. C'est que tu en as tendance à zigzaguer. Donc tu vois, comme il n'est pas contraint, là, tu peux te guider dessus, quoi. Il y a de la vie, oui. De prairie. Dans ce sens, il y a plus de mammouth, de l'argile. Bon, de toute façon, des argiles, on n'en a pas beaucoup en Bretagne. On est plutôt sur des limons fins. Là, c'est sur quoi? C'est sur du granit? On est ici, je ne sais pas trop. Moi, chez moi, je suis sur du schiste, ardoisier. Ici, le sol est quand même bien plus profond que chez moi. Nous, on est sur du granit. Ok. Bon, tu vois le truc? Bon, forcément, après plusieurs mois de bâche, le sol il est quand même sec. Enfin, il est humide, mais il n'est pas trempé, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est facile à travailler, qu'il est bien à travailler. Et là, je vais attendre un petit peu, quelques semaines avant de mettre les boutures. Hein. Peut-être pas quelques semaines, mais on va dire 15 jours. Il va se réhydrater de toute façon. Puis c'est humide en profondeur ici, un peu, donc. Ouais, pour les mottes que tu remontes comme ça, n'hésite pas, parce que là tu vas un peu loin, tu vois. Ouais, oui. Là tu vas un peu loin et du coup quand tu repasses derrière, ça les reprend en fait, si tu fais la moitié de la longueur de la barre, quoi. Ouais, oui. Ce qui permet de les reprendre justement pour les émietter. Ouais, voilà. Bon, en comparaison à la grelinette, ouais, c'est clairement mieux. C'est pas la même chose. Hein. Moi je... Entre guillemets, je mélange pas les grelinettes et les pitchounes, toi, ou les campagnols. Pour moi, c'est deux outils complètement faits pour faire autre chose, choses différentes. C'est quand même fait pour aérer et jusqu'à ce niveau-là. Bah, pas la grelinette. La grelinette, c'est juste pour décompacter en profondeur, enfin à 20 cm. Et là, du coup, tu décompactes et tu... Bah là, tu décompactes et tu casses les mottes. Mais c'est pas une décompaction juste du fond, quoi. La grelinette, beaucoup l'utilisent... En soulevant la terre et puis en basculant comme ça pour émietter, mais c'est pas du tout fait pour ça. Ouais, c'est fait juste pour aérer, quoi. C'est fait juste, tu tires, tu aères le dessous, et tu recules et tu fais pareil. C'est fait pour faire décompacter des sols par le dessous comme ça, quoi. Et là, du coup, c'est quand même fait pour décompacter le sol, mais en plus... Bah là, c'est plus pour travailler le sol, comme si tu le ferais avec une bêche ou un motoculteur ou une chose comme ça, quoi. Ouais, mais la grelinette, elle est toujours utilisée n'importe comment. Ouais. Hervé Le Gall, il explique bien, tu vois. Hervé Le Gall, c'est un forgeron ici, là, du 56, qui fabrique la biobêche. Donc une biobêche de forgeron, je peux te dire qu'elle est indestructible. Bah, c'est la même que celle que j'ai achetée, hein, qui est façon type grelinette, hein, sauf que c'est une autre approche. Ouais.
Et il explique bien qu'il ne faut pas faire de basculement avec. C'est uniquement pour décompacter, tu soulèves la terre. C'est pour ça que c'est des dents incurvées. Les dents incurvées servent vraiment à venir en dessous comme une cuillère un peu, tu vois. Et puis pouf, soulever. Et en gros, mettre une lame d'air aux profondeurs, quoi. Et pourquoi une lame d'air aux profondeurs ? C'est pour faire le même principe qu'une sous-soleuse. Donc par exemple, moi quand je m'en sers pour les passe-pieds. Si jamais j'ai envie de décompacter les passe-pieds, je ne fais pas la pitchoune dans les passe-pieds. Ouais. Ok. Essaye d'être un peu plus droit. Ouais, parce que sinon ça ne descend pas assez profond. Ah oui, dans ce sens-là. Bah oui. Parce que si tu fais tout le temps en biais, en fait, ça ne va pas du tout aussi profond. Et ouais, ça va, tu décales pas trop? Bah, je sais pas, je crois que c'est ça qui me mêle, ça va pas être... Bah, tu testes la corde pour qu'elle soit libre. Faut pas, tant qu'elle n'est pas contrainte par l'outil, c'est que tu es bien aligné, quoi. Ça a l'air pas mal, hein. Là, pourquoi tu mets des bâches dans celui-là, j'ai pas des bâches tissées. Ça chauffe moins surtout, parce que ça laisse passer l'air. Et là, l'idée de la bâche, c'est de vraiment faire un désherbage thermique, quoi. La microphone, elle est super petite du coup. Ou là, tu dois recréer un peu de... Ah bah, forcément, ça la perturbe. Hein. Ouais. Ça la perturbe forcément une partie, puisque ça chauffe quand même le sol. Donc là, je sais que d'avoir été plusieurs mois sous la bâche... Bon là, tous les derniers mois d'hiver, ça chauffe quasiment jamais. Hein. Sauf les jours où il y a un peu de soleil, quoi. Enfin, tu vois, ça n'empêche pas les campagnols de venir dedans, quoi. C'est au minimum, ouais, d'éviter les vivaces, quoi. De commencer avec un truc propre, quoi. Ça se fait beaucoup en maraîchage pour vraiment faire propre avant de démarrer, limite pour faire des faux semis, des choses comme ça. On peut le faire aussi avec des bâches transparentes. Mais le noir est plus efficace pour vraiment désherber, quoi. Bah, le but, c'est de ne pas retourner le sol. En fait, désherber un sol, c'est que t'as en gros plusieurs méthodes. Hein. Tu as quatre méthodes, on va dire. La première, c'est bah, tu retournes le sol. Donc tu vas avec la charrue, quoi. Donc ça, je veux pas, parce que je veux pas retourner mon sol. La deuxième, bah, c'est tu mets du produit désherbant qui tue les plantes par chimie. Donc ça, je veux pas non plus, évidemment. Cela dit, c'est celui qui préserve le mieux la vie du sol. Vaut mieux un désherbant que bien dosé, bien sûr, qu'un charruage, en fait. Mais de toute façon, je ne fais aucun des deux. Et donc après, bah, il reste deux solutions. C'est soit tu arraches toutes les herbes à la main et tu t'amuses. Tu vois, tu peux hein, passer ta grelinette et puis désherber comme ça tout à la main. Quand tu n'as pas le choix, que tu n'as pas le temps, tu es obligé. Mais c'est super long et super fatigant. Mais hein, c'est ce que je vais faire pour ta main. Ouais. Donc ça, évidemment, ça marche très bien. C'est ce qui va peut-être être le moins impactant pour ta vie du sol tant que tu ne retournes pas. Donc pas de houe, quoi. Bah la houe, après, ça se défend. Hein. La houe, ça va pas très profond. Hein. C'est pas un charruage non plus. Hein. Même un bêchage, en soi, si tu fais qu'une hauteur de bêche, ça va. Hein. C'est pas non plus... Et autrement, bah, la dernière méthode qui permet de faire quand même un peu plus de... Bah, déjà du temps mort, parce que quand ça désherbe, là, moi, je peux faire autre chose. Et puis ça travaille tout seul, quoi. Bien sûr, tu peux aussi avoir des animaux. Hein, tu peux remplir un parc de poules et puis elles vont te désherber la zone. Ça marche aussi. Hein. En plus, elles t'amendent un peu le sol. Ouais, ça peut, ouais. Et puis, bah, du coup, voilà. Bon, moi, la bâche, c'est le bon compromis pour pas avoir d'animaux à gérer. Ouais. Là, dans cette zone qui n'est pas chez moi. Ça permet de le mettre en place sur des grandes étendues assez vite et facilement. Et puis, alors, gros avantage quand même, c'est que tu vois, là, il a plu pendant un mois. Je peux venir le lendemain d'un mois de pluie travailler, quoi. Ouais, parce que ça a été protégé des excès d'eau, quoi.
Ça, c'est essentiellement ça l'avantage. Enfin, c'est l'avantage le plus important pour moi, d'ailleurs. Là encore, ça fait quoi? Ça fait une dizaine de jours qu'il n'a pas vraiment plu. Donc les sols ont quand même ressuyé entre temps, mais en vrai, si j'avais voulu travailler mon sol il y a un mois, sans la bâche, c'était pas possible. Quoi. Donc ça a ses avantages, ses inconvénients. C'est un compromis après que moi j'ai choisi de faire en faveur de la bâche, quoi. Et puis ça changera sûrement, hein, parce que je peaufine ma rotation. C'est que bon, au début il y a les boutures, ça s'enherbe, mais je désherbe les boutures assez précisément. Donc du coup il n'y a globalement rien qui reste derrière les boutures. Après il y a les arbres avec le BRF qui vient dessus. Là on voit bien sur les arbres qu'il y a quand même il y a de la reprise, quoi. Il y a de la reprise. Bon, là, j'avais pas bâché autant cette zone-là, là-bas non plus. Donc forcément, les rumex, certains repartent bien. Donc ici, ça a été vraiment désherbé. Je pourrais pas faire plus, quoi. Là, 9 mois de bâche, c'est difficile de faire plus, quoi. Ou un an, quoi, même. Donc ça veut dire que les boutures là, plus les arbres derrière, hein, en ayant des désherbages sur les boutures et les arbres quand même, ben, globalement, avant de revoir du rumex ici, normalement, ça devrait mettre du temps, quoi. Et voir, il n'y en aura peut-être plus du tout. Donc après, à moi de voir qu'est-ce que je mets après les arbres pour garder ça propre, justement. Et c'est tout l'intérêt de ma réflexion du moment, c'est de trouver un engrais vert après culture d'arbres dans ma rotation qui soit bien. Et c'est pour ça que je m'intéresse notamment au chanvre. En tout cas, quelque chose qui fait beaucoup de biomasse, à pousser, que je puisse directement la remettre au sol pour nourrir le sol. Et qu'en même temps, ça couvre le sol par cette plante-là, quoi. Et la consoude? Ah ben non, la consoude, du coup, c'est une vivace. Là, si j'ai un plan de déconsoude... Hein? Ah ben oui, un truc, justement, les buts, c'est d'après d'introduire que de l'annuel, quoi. Une annuelle ou des poules? Ouais, alors non, parce que, pour le coup, pour un sol vivant, il faut qu'il y ait des plantes dedans. Un sol vivant ne peut pas être vivant s'il n'y a pas de plantes à pousser dedans. C'est pour ça que là, il n'est pas encore vivant tant qu'on n'a pas mis des boutures et des arbres dedans. Là, il est en préparation. Il a une bonne base de prairie qui a été désherbée. Il y a de la nourriture carbonée qui a été donnée forcément avec tout ce désherbage. Mais maintenant, il va falloir booster ça, quoi. Et si tu mets juste des animaux, en fait, ils vont t'apporter de l'engrais. De leur fiente, tu vois, par exemple pour des poules. Mais il n'y aura pas de végétal. Et s'il n'y a pas de végétal, tu n'as pas de vie du sol vraiment. Quand tu importes un BRF pour entretenir de la vie du sol ou des mulches carbonées, trucs comme ça, juste ça suffit pas. Il faut aussi des plantes plantées dedans, quoi. En pépinière, ça marche parce qu'il va y avoir de la bouture, il va y avoir de l'arbre. Et après sur les rotations, ben l'idée c'est voilà d'avoir un engrais vert vivant, quoi. Ouais. Je vais pas juste se recouvrir de BRF, tu vois, aucun intérêt. Juste recouvrir de BRF, ça sert à rien. Ouais, le principe c'est qu'il y ait de la vie, quoi. Ouais. Donc ça pousse. La vie c'est nourrir en carbone et avoir des plantes vivantes parce qu'il y a de la racine. La racine c'est une grande part de la vie du sol. La racine vivante et la racine qui meurt. Mais déjà la racine vivante, quoi. Moins. Si, elle fait partie de, comme moi en fait, de l'animal qui est en surface, qui va pouvoir apporter des choses en surface. Oui. Donc bien sûr, la poule peut être intéressante hein, à certains moments. Hein. La poule ou n'importe quel animal, j'ai envie de dire. Hein, mais on met des humains, mais c'est pas. Ouais. Non, mais c'est pas la même vie, quoi. On peut pas. Les animaux comme nous, comme les autres animaux de surface, ne sécrètent pas des hormones comme font les racines des plantes, quoi. Les enzymes que toutes les racines font, nous on les fait pas, quoi. T'as pas de vie dans un sol si t'as pas de racines, si t'as pas d'arbre, si t'as pas de plantes. L'arbre, lui, il va chercher en profondeur de la roche mère pour remonter des minéraux. Il mange du caillou, l'arbre. Et donc il va te remonter ça, il va te remonter l'humidité, l'eau, il va te remonter plein de minéraux.
des oligo-éléments, enfin tout ce que le reste de la vie autour de lui a besoin. Mais s'il n'y a pas l'arbre, en fait, il n'y a rien qui peut remonter ça. Et donc ça, c'est vrai à tous les étages, parce qu'évidemment, l'arbre, il va très bas, mais il y a des plantes qui vont aller puiser des choses moins bas. Et puis en même temps, bah, il y a aussi des exudats racinaires qui permettent de décomposer de la matière, qui permettent de nourrir de la vie du sol, quoi. La microfaune, la macrofaune, tout ça s'imbrique après là-dedans, quoi. Bon ben voilà, on a bien bossé aujourd'hui, on a fait une petite journée de préparation du sol, donc voilà, on a fait, enfin c'est surtout les filles qui ont fait d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai transporté de la brique. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lignes pitchounées, on a tiré du cordeau, on a la zone pour 10 lignes prêtes. Donc il n'y a plus qu'à faire des boutures, à mettre des boutures après là-dedans. Donc rendez-vous la semaine prochaine. On verra. Salut !